Eh bien, salut à tous, c'est Cash Made In. J'espère que vous allez tous très super bien, on va dire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle petite vidéo, comme vous pouvez le constater. Hein. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens, ils ont pas trop de thunes, ils galèrent. Et comme, comment vous dire, comme demain, forcément, comme vous le savez tous, c'est la mise à jour. Donc on va avoir besoin d'or déjà d'une part et aussi d'argent. Donc je vais vous présenter quelques petits spots. Déjà un petit spot à saumon. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à en faire sans se servir de couteau, de tout ça, de tralala. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors le petit spot à saumon, il se trouve là, ici, vous voyez. Là, il y a le Dakota River. Hein, vous vous placez un petit point là ici. Et l'endroit précis, il se trouve ici. Voilà. Donc, un petit conseil, franchement, si vous voulez vous faire du saumon rapidement, je vous conseille de choper un petit rat musqué. Un petit rat musqué parce que ça va vraiment, c'est plus rapide. Moi j'ai essayé avec les petits dindons, tout ça, machin. C'était bof quoi, franchement c'était bof. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Hein. Voilà, donc j'ai préalablement forcément tué un petit rat musqué. Et on va attendre tout doucement, tranquillou. Et vous allez voir que ça va venir forcément quoi. Alors, je vois que ça remue déjà là-bas, tout doucement. Voilà, donc on va s'éloigner un petit chouïa. Voilà. Bon, il n'y a pas que du saumon, hein. Il y a un peu de tout, hein. Ça vous permet aussi de remplir un peu. Regardez, voilà, en voilà déjà un. Oh, il arrive rapide celui-là. Et voilà, en voilà déjà un déjà. Un deuxième. Donc voilà, hein. Vous pouvez le constater, c'est vraiment. Ça spawn vraiment assez rapidement, je vous dirais. Mais comme je vous ai dit, hein, un petit rat musqué. Donc, bah, si vous faites vos 10 saumons, ça vous fait quand même 25 balles, quoi. 25 balles cumulées avec, avec d'autres poissons que je vais vous présenter aussi par la suite, parce que j'ai d'autres spots à vous présenter. Voilà, saumon. Bam bam. Voilà, donc après, comme je vous ai dit, hein, il y a d'autres poissons. Hein. Regardez, il y a quoi là? Il y a les petits carpes arlequins. Bon, ça ramène pas phénoménal, phénoménal. Mais le saumon ramène vraiment très bien. Puis comme vous pouvez le constater aussi, comme je vous ai dit, j'ai pris un rat musqué. Il y en a sur le bord des rifs, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous en faire facilement. Faut juste faire le tour un petit peu, faut être patient quoi. On va attendre juste un petit chouïa, voir si ça respawn encore un petit peu. Voilà, regardez. Vous le voyez là? Hop. Bang bang. Alors, saumon, franchement, je vous le conseille. Hein. Si vraiment vous voulez vous faire de la thune, faites-vous du saumon, de la truite arc-en-ciel aussi. Et puis après, on va parler aussi un petit peu des gros poissons. Hein, les seuls que vous pouvez mettre derrière votre cheval. Malheureusement, on peut en mettre qu'un, c'est sûr. Donc voilà, donc premier spot, hein, premier spot, là, juste ici. Je vous refais voir la carte. Voilà, donc là, il y a Dakota River. Vous voyez, là, ici, il y a la petite virgule. On va reculer vraiment. Voilà. Donc vous voyez, je suis ici. Hein. Vous mettez un point pile poil là, ici. Vous voyez, je suis juste là, en fait. Voilà. Le petit rat musqué, je l'ai mis là. Hein. Vous mettez un point là. Vraiment précis, quoi. Et puis voilà. Donc on va passer à... comment dirais-je? À l'autre spot. Parce que j'ai quelques spots à vous présenter. Oh bah regardez. Vous voyez? J'ai juste eu le temps de vous faire voir la carte. Et il y a encore un saumon qui a spawn. C'est vraiment un bon coin, un saumon, quoi. C'est vraiment... Vraiment nickel. Donc voilà, donc on va passer à l'autre spot.
Alors, le deuxième spot qui se trouve exactement, je vais vous faire ça, voir ça tout de suite. Alors, qui se trouve exactement ici, voyez. Là, en plus, pour vendre, vous avez là juste ici Rhodes, c'est magnifique. Donc, qui se trouve là, juste là, ici, à ce niveau-là. Hein, vous allez placer votre petite dinde, ou votre petit dindon, je sais plus comment on appelle ça exactement. Vous allez placer exactement ici, là, comme moi, là. Je vais vous faire voir ça. Donc, ça se trouve ici. Voilà, donc vous allez chasser une petite dinde. Tranquille, pépère. Et puis, vous allez vous la mettre là, ici, là. Et comme je vous ai dit, ça spawn vraiment de malade, quoi. Et là, vous avez vraiment, vraiment de tout. Et bah vous avez la truite arc-en-ciel qui paye aussi bien que le saumon. Donc 10 truites ça fait 25 balles comme le saumon. Donc vous calculez les deux, bah, ça fait 50 balles déjà de prix. Et il y a vraiment beaucoup de poissons quoi. Il y a de tout. Il y a de tout. Là il y a de la belle truite arc-en-ciel là. Franchement elle est vraiment super sympa quoi. Et aussi. Par contre, je tiens à vous préciser aussi, bah, il y a une belle petite surprise aussi, au passage, quand vous êtes sur ce coin-là, ici, là, c'est l'esturgeon jaune. Ça fait partie des gros poissons, hein. Et bah, ça paye pas mal. Franchement, ça paye bien. Ça fait 7 balles 25, il me semble. 7 balles 25, ça fait toujours ça de récupérer. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a un poisson à 8 balles, qui est le brochet. Hein, et je vais vous présenter ça pour le troisième spot. Donc voilà. Donc ici, comme je vous dis, vous prenez. Alors, c'est quoi? C'est la dinde sauvage. Voilà. Vous prenez une dinde sauvage, vous la posez ici. Et il y a vraiment de tout. Hein. Il y a de la perche noire. La perche noire, ça paye bien aussi parce que cumulé, ça vous fait, il me semble, 20 balles. Pour les 10 perches noires, vous avez 20 balles. Donc vous cumulez un peu tout. Hein. Vous voyez Il y a vraiment beaucoup de poissons à récupérer. Hein. Pas besoin de sortir votre canne à pêche là, de niquer votre manette, les joysticks comme un taré là, à tourner et tout. Ça vous nique la manette, c'est un peu chiant quoi. C'est con de racheter une manette juste pour ça quoi. Donc voilà, donc on va passer au troisième spot. Hein. Mais je vais vous refaire voir ça exactement l'endroit précis pour le deuxième spot. Donc il se trouve là ici. Hein. Bon les dindes sauvages là, vous allez faire un petit tour là ici là dans ces environs là. Hein. Elles spawnent tout le temps. Franchement, faut être patient, mais si vous faites des tours, quelques petits tours, ça va spawn. Hein. Vous allez les entendre en plus, elles glougoutent. Vous voyez? Donc je pense que vous avez compris. Hein, c'est une dinde, hein, ça fait ce bruit là. Donc voilà. Donc on va passer au troisième. Troisième petit spot qui est super sympa avec ce fameux brochet. Hein. Donc allez, c'est parti, on y va. Donc alors voilà les petits potes. Pour en finir avec tous ces jolis trois petits spots, hein, donc on va passer au troisième spot qui se trouve ici précisément. Voilà, donc vous allez Valentine juste ici en plus pour vendre. C'est vraiment pas très loin. Donc vous voyez là ici là Katai Pont. Donc vous allez placer ici un petit point et vous vous mettez juste là ici. Bon, vous allez vous prendre une petite dinde, hein, un petit dindon, là, une petite dinde sauvage là. Et puis ça suffira, je vous dirai. Et ben voilà le brochet comme je vous ai parlé. Ce fameux brochet qui vaut exactement 8 balles. C'est le maximum. C'est le maximum que vous pouvez trouver en gros poisson, quoi. Donc le brochet là, celui-là, il vaut 8 balles. C'est vachement, vraiment intéressant. Donc 3 étoiles forcément, vu que vous vous êtes pas servi de couteau ni de rien. Et puis ben, vous avez d'autres poissons aussi hein, qui spawnent. Hein, vous voyez, ça arrive tout doucement, tranquillou. Il y a du carpe, il y a pas mal de jolis petits poissons aussi que vous pouvez compléter dans votre petite collection là pour aller vendre. Donc voilà, voilà l'endroit précis où se trouve le brochet
à 8 balles quoi. Donc bah écoute, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Donc pense à lâcher ton petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, demain c'est la mise à jour. Donc profite aujourd'hui un maximum de te faire de la thune. Parce que c'est le moment. Voilà, si t'as un peu de temps ce soir, n'hésite pas, bombarde, hein, les poissons. Voilà, donc je te dis ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!